Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, la France craque-t-elle ? Alors, moi, je serais tout d'accord avec vous pour dire qu'il va y avoir un renouveau spirituel. Bon, j'ai beau scruter l'horizon... Qui est nécessaire, donc j'ai dit qu'il était nécessaire. Comme Serane, je ne vois rien venir. Mais peut-être va-t-il venir à la suite d'une grave crise financière mondiale qui s'approche. Et là, alors, il pourrait y avoir une crise financière, il peut y avoir un début de guerre civile. Hein. Les deux. Et si le gouvernement ne fait rien sur les banlieues, Sarkozy prétendait les nettoyer au Karcher, tu parles, il n'a rien fait. Et en seconde partie, faut-il rétablir le service militaire ? Je regrette beaucoup, beaucoup la disparition du service militaire. C'était un moyen de civilisation, de respect. De respect de l'autorité. Je veux préciser que malgré les applaudissements très forts des uns, il n'y a pas d'applaudissements des autres. Hein. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas prêt parmi les jeunes que je vois derrière moi. Il y en a une trentaine à partir pendant 12 mois faire son service militaire. Eh bien, hein. Je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est et ça leur ferait un bien fou. Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un curé de choc et patriote de surcroît. Sa fiche Wikipédia le présente comme une personnalité centrale du catholicisme traditionnaliste. C'est le moins que l'on puisse dire. Il entre au séminaire à 19 ans à Écône, le premier et le principal séminaire de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis fondée par Monseigneur Lefebvre. Il devient un pilier de la fraternité, partisan d'un rapprochement avec le pape. Il est nommé supérieur du nouvel Institut du Bon Pasteur, fondé avec l'accord du pape Benoît XVI. Théologien et professeur de philosophie, c'est aussi un prêtre très médiatique qui parle sans détour et défend ses convictions jusqu'au bout. Je vous demande d'accueillir l'abbé Philippe Laguéry. Applaudissements amplement mérités. Voilà, j'ai déjà ma neutralité déjà effacée au bout d'une phrase. Vous êtes l'ancien recteur, on l'a dit à l'instant via Arnaud, que de l'Institut du Bon Pasteur. L'Institut du Bon Pasteur, c'est une jeune communauté finalement. Ça a été fondé en 2006, au moment du pontificat de Benoît XVI, et avec des privilèges considérables. On ne dit que la messe traditionnelle, on peut faire ordonner les prêtres comme on le sent, etc. Donc c'est une grande avancée pour la tradition. 45 prêtres déjà, 35 séminaristes pour exactement faire vivre cette 45 communauté. 45 prêtres répartis sur trois continents, l'Amérique du Sud, où on a pas mal de candidats pour le séminaire, et puis l'Europe, la Pologne, l'Italie, la France... Et récemment, l'Ouganda, et puis on va continuer. On n'a que 10 ans d'existence quand même. Voilà, et en France, les lieux ? Alors les lieux, il y a Marseille, il y a Paris, le centre Saint-Paul, il y a Bordeaux, la paroisse personnelle, on dessert de quelques chapelles, et puis il y a le grand séminaire à Courtalain, dans l'Eure-et-Loire. Dans l'Eure-et-Loire, à côté de Chartres, voilà, c'est là que précisément. Alors dites-moi, l'idée c'est de l'Institut Bon Pasteur, c'est de faire vivre un trésor qui est celui de la tradition catholique. La tradition, si j'ai bien compris, vous allez me l'expliquer, c'est la messe en latin. Monsieur l'abbé, comment on peut imposer le latin à une jeunesse qui a déjà tant de mal à savoir le français ? Alors je rectifie d'abord, la tradition, ça n'est pas que le latin. Ça n'est pas que le latin. La tradition, c'est la tradition liturgique, sans doute, mais aussi dogmatique, c'est toute l'histoire de l'Église. C'est une des deux sources de la révélation. Comment connaît-on la parole de Dieu ? On la connaît, un, par la Sainte Écriture, et deux, par la tradition.
Donc, être traditionnaliste, j'allais dire, c'est, ou et catholique, c'est dire la même chose. Je ne vois pas comment on peut imaginer un catholique qui n'est pas fidèle à la tradition. Et puis, c'est le moment ou jamais de le rappeler avec ce synode sur l'Amazone où on se demande si on n'est pas en train de dérailler, mais on en reparlera plus tard. Je vais en reparler, vous inquiétez pas. Évidemment, il y a le latin, mais le latin ne me gêne pas. Comme disait Brassens, la messe sans latin, elle nous emmerde. Bon, il n'avait pas tort. Pourquoi ? Parce que quand on va à la messe, on assiste à quelque chose de sacré, de quelque chose de profond, de mystérieux au sens grec du terme. J'en veux pour preuve, par exemple, que les Syriaques célèbrent la messe en araméen et les Libanais célèbrent en syriaque. Vous voyez bien qu'il y a eu cette nécessité d'une langue sacrée qui se fait voir partout. Il y a toujours eu une langue sacrée. Au moment de la fondation de l'Église, l'Église de Rome disait la messe en grec. Il en reste le Kyrie eleison que vous connaissez sans doute. Voilà. Donc vous voyez, le latin, les gens sentent qu'il véhicule un mystère. Et puis alors, la théologie est en latin, le droit canon est en latin, les pères de l'Église sont tous en latin, ou beaucoup d'entre eux, et etc. Donc si quelqu'un qui veut avoir vraiment la substance du catholicisme, il est obligé de connaître le latin, au moins pour les théologiens. Et pour les fidèles, eh ben, le mystère, les chants grégoriens et tout cela, eh ben, rendent compte, à mon avis, beaucoup mieux du mystère de la Sainte Messe que les langues vernaculaires avec leur argot ou autre chose. Voilà. Il y a à côté de Courtalin, là où est le séminaire de l'Institut du Bon Pasteur, il y a une église, une église avec les prêtres de la paroisse. La messe s'est dite dans la langue nationale, en français. C'est grave ou pas ? Alors cette église de Courtalin, on se la partage avec les prêtres. On l'a tous les dimanches. La grand-messe à 10h30. Ça tombe bien, quand même. Ouais, ça tombe bien, oui, bah, c'est fait exprès, quand même. Et on l'a tous les dimanches, et puis il y a les offices du samedi soir. Non, on fait bon ménage. Ceux qui veulent la messe en français viennent le samedi soir, et puis ceux qui veulent la messe traditionnelle, grégorienne, comme j'aime à l'appeler, eh bien, ils viennent le dimanche chez nous. Voilà. Parfait, c'est clair. Dans la même église. J'ai bien compris. L'Institut est au sein de l'Église, au sein de l'Église. Or, l'Église, cette Église-là, avec un E majuscule, elle s'apprête, s'oriente vers l'ordination sacerdotale de prêtres qui pourront se marier. Précision que cette réforme ne concerne qu'une région, vous l'avez dit à l'instant, c'est l'Amazonie. Que pensez-vous de cette décision qui va amener dans une région du monde la possibilité aux prêtres de se marier? Je dirais même, comment vous le vivez-vous, ça? Je n'ai pas de démangeaison de ce côté-là, je vous rassure tout de suite. Bon, après 40 ans de sacerdoce, prendre femme n'est pas mon projet. D'abord, ça n'est pas décidé. Et d'un. Deuxièmement, c'est pour l'Amazonie. Je rajouterai quand même que les évêques allemands sont en train de s'arranger eux aussi pour suivre le mouvement, et quand ils ne le précèdent pas. Pour moi, c'est une hérésie de marier les prêtres. Pourquoi un prêtre est célibataire ? Il est célibataire non pas pour des raisons techniques, parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper d'une femme et des enfants, bon, mais parce qu'il doit être ressemblant, conforme à Jésus-Christ. Et ce mystère du Christ que véhicule le prêtre, dont il est le sacrement, il y a un sacrement qui fait les prêtres, eh bien, ça, c'est une conformité au Christ. Ben, le Christ était célibataire et on ne voit pas le Christ, j'allais dire, s'occuper d'une femme en particulier quand il est le sauveur du genre humain tout entier. Donc il y a une question spirituelle derrière le célibat des prêtres, qu'a très bien compris l'Église romaine, pratiquement à la génération des apôtres, les prêtres, les évêques ne sont plus mariés. Et on voit bien que les difficultés de l'Église d'Orient viendront en partie de ce fait qu'ils acceptent d'ordonner des gens mariés ou de marier des prêtres. Alors, je pense que c'est... Mais c'est le synode de l'Amazonie, c'est beaucoup plus que ces questions morales qui ne concernent que la discipline interne de l'Église. C'est vraiment de vouloir marcher à l'unisson de la planète avec un culte qui commence à se profiler de la déesse Pachamama. Alors là, vous voyez, c'est beaucoup plus grave que ça. Hein. On pourra en reparler. Mais ce synode est catastrophique. Je poursuis sur le mariage des prêtres, pardon, mais je sais, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Allez-y, allez-y. Et je vais recevoir des messages en me disant « tu es le diable tout court ». Je vais vous exorciser. Voilà, exorcisez-moi, je vous en prie. Mais il y a cette petite musique qui dit, ben voilà, si les prêtres étaient mariés, on éviterait quelques turpitudes qui sont aujourd'hui dans tous les médias. S'ils étaient mariés, eh bien aussi, ils sauraient ce qu'est la vie avec une femme, avec
avec des enfants, les contraintes sociales, pécuniaires, etc. Vous voyez, cela, est-ce que vous l'entendez ou pas? Je l'entends et je trouve ça totalement stupide. Cinq minutes, on aura tous les deux 5 minutes. Non, mais j'accepte. Je trouve ça totalement stupide parce que ce n'est pas une femme qui va empêcher ni l'homosexualité, et encore moins la pédophilie. Et puis, je dirais que dans ce domaine de la chasteté, où on est parfait et ça marche, où on bricole et ça part dans tous les sens. Donc, je trouve que c'est un argument. On n'aura plus de vocation, il n'y aura plus de formation, et ça ne rendra pas les prêtres plus chastes, ni moins d'ailleurs, mais c'est pas jouable, c'est un faux argument. La raison du célibat sacerdotal et de cette fidélité au célibat, c'est la ressemblance au Christ, et on ne pourra pas le modifier par des petites réformettes disciplinaires. C'est parfaitement clair. Allez, je change de sujet. Parce que celui-ci est quand même anecdotique, même si tous ceux qui ne veulent plus marier personne veulent vraiment vous marier tous. Mais, ah oui, ça m'a toujours surpris. Pourquoi les gens, qui prennent femme, très bien, vos enfants, je me réjouis, mais pourquoi ils veulent nous marier? Laissez-moi... Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, oui, j'ai pas besoin de bonne femme. Voilà, bon, c'est parfait, c'est dit. Allez, il y a 18 mois, nous avons eu le droit à ce que j'appelle une castarinade, c'est-à-dire, vous connaissez le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il réagissait au propos d'Emmanuel Macron, estimant que le voile islamique n'est pas conforme à la civilité de notre pays. Une phrase dite, prononcée, mais qui n'a pas été suivie des faits. Mais Castaner avait indiqué qu'il y a quelques années, toutes les femmes catholiques portaient le voile. Et au-delà du propos... Je ne sais pas quel âge il a, mais... ça commence à dater. Hein, voilà. Au-delà de le propos un peu stupide, c'est, pour reprendre un terme que vous aimez bien, à mon encontre, il y a l'idée... que le voile islamique n'est que religieux, que ce n'est pas un instrument politique, et encore moins un instrument de conquête politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Après tout, les bonnes sœurs, elles aussi, elles sont voilées, vous entendez là aussi. Alors les bonnes sœurs, étaient voilées et elles sont de moins en moins. Le voile islamique n'est en rien un signe religieux. Il y a eu des grands pays islamiques, comme l'Iran, comme l'Égypte, et beaucoup d'autres, où les femmes n'étaient jamais voilées, sauf pour peut-être les offices liturgiques, etc. C'est une création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le voile islamique est une intrusion politique de l'islam en France. Ça n'est rien d'autre. Ça n'est rien d'autre. Je pense encore à un discours de Nasser, devant tous ses députés, etc., riant à gorge déployée en disant « Mais vous rendez compte, il y a des imbéciles en Égypte qui me demandent de revoiler les femmes, elles sont très bien comme elles sont. Hein. » Et puis ces petites iraniennes du temps du Shah étaient ravissantes d'abord, et puis ensuite vivaient leur islam de façon paisible. Donc en France, et on le voit de plus en plus, celle qui a mis son voile, là, je ne sais plus, dans lequel conseil régional... – De Lorraine ?– C'est de la provoque à l'état pur, c'est de la provoque. Et il y en a même qui disent, qu'il y en a une affiche qui a paru récemment, c'est une femme voilée, je suis française et musulmane, et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à quitter mon pays, disait-elle, en parlant de la France. Donc vous voyez bien que c'est pas du tout un signe religieux. Voilà. Pourquoi au début de l'Église, on a voilé les femmes? La raison est très simple. Dans l'Antiquité, les seules femmes qui n'étaient pas voilées, c'était les prostituées. Donc celles qui ne l'étaient pas devaient se voiler. C'est tout. C'était le signe distinctif des péripatéticiennes dans toute l'Antiquité. Alors, c'est pas religieux. Le voile en soi n'est pas religieux. Parfait, parfait. Voilà, je précise, grâce à l'oreillette, que c'est en région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Monsieur Julien Oudoul, qui avait interpellé la présidente de cette région. Dernière question. Vous étiez, je vous ai vu, ne dites pas que vous n'y étiez pas, je vous ai vu, à la grande manifestation contre la PMA-GPR, c'était le 9 octobre dernier dans la capitale. Il semblerait qu'il y en ait d'autres qui... Voilà. Bon.
Vous n'étiez pas tout seul. Tout d'abord, est-ce le rôle d'un prêtre de manifester dans la rue ? Ah bah bien sûr, parce que si un prêtre ne bouge pas pour ces questions qui touchent à la morale de si près et de façon si profonde, alors bah, il a qu'à rester dans sa sacristie. Et puis voilà, et dire des messes en cachette. Non, il est évident que, comme le disait Madiran, la grande pensée de Madiran, qu'il me plaît de rappeler ici, c'est que la gardienne du droit naturel, c'est l'Église catholique. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. L'Église catholique, et elle seule, a su maintenir un sens du droit naturel. Et les évêques des années 60 riaient du fameux droit naturel. Il y a un droit naturel. C'est l'union d'un homme et d'une femme, et c'est ça qui fait qu'ils s'aiment et qu'ils sont féconds. Et puis ça, c'est du droit naturel. On pourra inventer toutes les perversités les plus... Alors, ça concerne évidemment un prêtre, puisque ça concerne l'Église, et je pense que les évêques devraient se liguer massivement contre ces perversions, et descendre tous dans la rue, pas seulement quelques curés, comme moi. Simone Veil a dit au moment, en 75, pour l'avortement, 75 ou 73, je ne sais plus, en 75, pour l'avortement, elle a dit, si les évêques avaient bougé, la loi ne serait pas passée. Eh bien, là, ils bougent à peine, et les lois vont passer. Voilà, parce que... Alors, j'ai bien compris votre propos, c'est la fin de ma question. Est-ce que vous serez encore dans la rue pour la manifestation qui va être encore plus importante, évidemment, parce qu'il y a tellement de gens qui se sont dit, oh ben, il n'y aura personne, et qui ont vu qu'il y avait du monde, et on va venir à la prochaine, qui est le 19 janvier prochain. Je ferai tout pour y être, et avec le maximum de fidèles, et même des confrères, et si possible, s'il y a quelques évêques à la clé, ce sera. J'en ai vu deux, moi, à la procession. Quatre. Moi, j'en ai vu deux, Monseigneur Ray de Toulon, et puis le frère de mon beau-frère, là, l'évêque de Rouen, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun. Il y avait l'évêque de Tulle aussi, et puis j'en avais perdu encore un en cours de route, mais il y en avait quatre. Écoutez, quatre font 100, hein, voilà, ça ne suffira pour l'instant. C'est un peu léger, oui. C'est un peu léger. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. La France craque-t-elle ? Alors que les Gilets jaunes se mobilisent pour la 50e fois, le gouvernement doit aussi faire face à la grève des pompiers et des urgentistes, à la colère des policiers et des retraités, au coup de force de cheminots et à la mobilisation de grande ampleur des anti-PMA-GPA. Dans ce climat, Emmanuel Macron évoque, dans l'affaire de la femme voilée, les prodromes de la guerre civile. Alors, la France craque-t-elle ? L'abbé, je vais vous donner tout de suite la parole. Je vais essayer. Mais vous savez, il y a beaucoup de jeunes ce soir, il y a beaucoup de jeunes qui sont la cocarde étudiante. Et alors, je dois dire que ce syndicat étudiant a fait craquer, non pas la France, mais a fait craquer l'extrême gauche, car pour la première fois depuis des lustres, ils ont obtenu deux élus dans la faculté. Dans la faculté. Historiquement considéré comme la faculté de gauche à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit de Stanislas et Émilie. Ils sont en droit et je crois qu'ils sont dans la salle. Si, voilà, ils sont ici. Bah, qui viennent, les galopins. Ah ben, allez, vous avez le droit à deux secondes. Allez, asseyez-vous, après tout. Bravo. Après tout, allez. Bravo, mademoiselle. C'est la génération de demain, hein, alors après tout. Allez, tiens, je passe mon micro. Regardez, un très beau micro TVL. Alors, comment vous avez fait pour faire 20% dans une université où la droite n'est même pas, n'a pas la capacité d'être depuis 1968 ? Alors, très honnêtement, on ne s'y attendait pas. Ça, c'est vrai. Après, comment on a fait ? Bah, je pense qu'on peut, remercier tous les camarades de la cocarde qui sont venus nous aider, nous filer un coup de main à nous, la cocarde de Nanterre. Des tractages, les réseaux sociaux aussi, pas mal. Des discussions. Je pense qu'il y avait peu de chance, mais il y a un truc qui joue en notre faveur, c'est le gauchisme. Le gauchisme qui gangrène nos facs depuis trop longtemps, et je pense qu'aujourd'hui, tous les étudiants en ont ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol. Aujourd'hui, la semaine dernière, en tout cas, c'était, un vote de rejet des méthodes de l'extrême-gauche depuis trop longtemps dans nos universités, et qui a permis de faire...
de faire éclater un peu ce plafond de verre. Voilà. Donc nous, on s'engage pour ce changement. Et malgré les intimidations de l'extrême gauche qui nous empêche de faire campagne, qui nous calomnie, qui essaye d'employer la violence face à nous, bah voilà, faut qu'ils sachent qu'on lâchera rien et que nous, on est là pour faire changer les choses, pour mettre fin à cette gangrène dans nos universités. Et voilà, on lâchera rien, on n'a pas peur d'eux. Ah mais ils lâchent pas de micro non plus d'ailleurs. Allez, Émilie, quand même quelques mots. Alors, Stanislas m'expliquait tout à l'heure. Aujourd'hui, nous enregistrons le mercredi soir, aujourd'hui et hier, mais il était à la fac et il y a les crachats, il y a les bousculades quand même. Il va être seul avec les 13 autres élus, ou les 12 autres. Et pour vous ? Bon, moi, heureusement, je n'ai pas eu de crachat ou quoi, mais c'est vrai qu'on est assez nombreux, Stanislas entre autres, et d'autres militants de la cocarde qui sont à Nanterre, qui sont pris à partie de la sorte. Oui. C'est-à-dire que le combat n'est pas fini. Non, loin de là. C'est le début. Prenez le micro, sans le micro, on ne vous entendra pas. Il n'y a que moi qui ai un micro. Je dis que c'est le début, c'est le début. Voilà, là c'est 20%, la prochaine fois ce sera 40% et bientôt... Ouais. Et bientôt Nanterre-la-Rouge sera Nanterre-la bleu-blanc-rouge. Voilà, donc malgré leur crachat, Nanterre sera bleu-blanc-rouge un jour. Donc. Voilà, ben voilà, et ben écoutez, merci à vous. Voilà, c'est ça aussi, monsieur Labbé. Vous aviez raison, c'est une bonne idée. Voilà, monsieur Labbé. Bah, écoutez, voilà, c'est des choses qui ne sont pas prévues. Très bien. S'improvise. Merci, Nicolas. Ah ouais, c'était une bonne idée. Mais ça a failli prendre ma place. Alors, donc, la France craque-t-elle ? Revenons. Vous avez les sociétaires, Laurent, plus de 50 Arthur Duplessis, pour Radio Courtoisie, que je suis très heureux d'accueillir, ancien du Figmag, Philippe Randa, d'Euroliberté, qui est un vieux de la vieille de Bistro Liberté, Roland Elie, qui est bien évidemment a été invité de TV Liberté et qui représente eh bien Synthèse Nationale, ce sont des revues, ce sont des magazines, et puis bien évidemment pour Boulevard Voltaire, notre ami Nicolas Gauthier, c'est eux qui vont aussi intervenir et peut-être aussi eh bien ne pas être en accord avec vous. Est-ce que la France, elle craque ? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, ben, Emmanuel Macron, il arrive à tenir tout ça, donc elle craque pas. Ça se fissure. Si, ça se fissure de partout et on peut augurer que ça va finir par craquer un jour. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais entre la France que j'ai connue, moi, dans les années, je suis né en 52, vous voyez, j'ai connu la France du baby-boom, des 30 glorieuses, etc. Et celle que je vois maintenant, j'aurais jamais pensé voir une telle décadence, cette sauvagerie qui s'installe dans tous les rapports humains, ces ghettos de banlieue où la police elle-même ne peut plus mettre les pieds, et cette drogue qui se répand partout, cette méchanceté dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, on est capable d'assassiner ou de tuer quelqu'un pour une cigarette ou un blouson. C'était des choses... ça arrivait, mais c'était des exceptions infimes. Tandis que maintenant, on s'aperçoit que tout est violent, et puis les Français ont peur. Alors, ça va durer combien de temps ? Et alors, une question que je me pose, et je n'ai pas de réponse, pourquoi nos dirigeants, qui sont quand même mieux placés que nous pour savoir l'ampleur du désastre, pourquoi ne réagissent-ils pas ? Moi, c'est la grande question que je me pose. Si Macron, ou le gouvernement en général, voulait appliquer la loi, c'est-à-dire un clandestin n'a rien à faire en France. Un clandestin, puisqu'il est clandestin, il retourne dans son pays. Et si, en respectant la loi telle qu'elle est maintenant, mais les Français seraient massivement pour, et les gouvernants en auraient le mérite et la gloire. Pourquoi ne le font-ils pas ? Je pose la question. On va essayer d'avoir des réponses. Allez. Laurent Arthur, Duplessis. À vous. Monsieur Labbé, vous qui êtes un homme de spiritualité et de culture, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine corrélation entre le délitement des sociétés françaises, mais aussi européennes, occidentales, et la déchristianisation ? Et on voit par exemple que la courbe des suicides, du taux de suicide, est inversement corrélée à la courbe de la déchristianisation. C'est assez frappant. Oui, tout à fait. Et il semblerait que, vous allez nous dire ce que vous en pensez, que le noyau central de cette crise moderne, de cette crise de civilisation,
ce soit un noyau religieux et spirituel. C'est la première fois avec la société de consommation qu'une société humaine a prétendu évacuer le surnaturel. Et justement, le surnaturel, il semble vouloir revenir au grand galop. Une clé de compréhension. J'espère que vous avez raison. Alors, je partage évidemment et à 200% votre analyse. C'est-à-dire que la France dont je parlais tout à l'heure, c'était une France où 85% des gens étaient baptisés. Il y en a la moitié qui allaient à la messe tous les dimanches. Et puis, moi, je sors d'un lycée laïque, le lycée La Canale, où j'ai fait toutes mes études secondaires. Il y avait un tiers des élèves de ce lycée laïque qui faisait sa prière chaque matin. Vous entendez ? Quand je dis ça, les gens ne me croient pas, mais je l'ai vu de mes yeux. Alors qu'il y ait évidemment un appauvrissement, un rétrécissement de la foi du surnaturel qui a engendré cette décadence et ce retour à la sauvagerie, à la barbarie, c'est une évidence. Et puis on peut dire que dans les années 68, les évêques, au lieu d'être un frein à cette révolution gauchiste, et puis sexuelle et tous azimuts, on dansait avec les danseurs, hein, et hurlait avec les loups. Alors, on en arrive à une situation. Cependant, même si, effectivement, la France était restée catholique comme elle l'était, heureux comme Dieu en France, on disait, c'était un heureux comme Dieu en France. Et c'est un vieux souvenir, malheureusement. Et si, y a pas que ça, il y a aussi les, l'autorité en France. On en reparlera tout à l'heure pour le service militaire. Elle a disparu en 68. Dans le bahut où j'étais, moi, 3500 élèves quand même, il y avait encore une discipline, il y avait encore un ordre, il y avait un respect de l'autorité. Même le général de Gaulle, que je n'aime pas beaucoup par ailleurs, ça se saurait. Incarnait encore un sens de l'ordre, de la hiérarchie. Donc, c'est vrai que l'Église, au lieu d'enrayer cette décadence presque tous azimuts, n'a pas fait grand-chose. Le catéchisme des années 50, 60, 70, 80, 90, jusqu'à ce que Jean-Paul II produise quand même un catéchisme qui lui, est vraiment catholique. Il n'y a pas eu de catéchisme en France pendant 40 ans. Mais est-ce que vous pensez... Non, on va passer... Laurent, vous n'êtes pas souvent ici, donc je vous redonnerai la parole, ne vous inquiétez pas, mais on va essayer de donner la parole à tout le monde, parce que tout le monde a attendu et patiemment. Roland Elie, voilà, une explication de Laurent Arthur Duplessis. Qu'est-ce que vous voyez comme explication ? On donne une explication assez simple, c'est le phénomène de la mondialisation, et c'est... Le mondialisme, peut-être plus que la mondialisation. Ou la mondialisation, comme vous voulez. Je ne sais pas si la France craque déjà, mais en tout cas, elle est en train de craquer. Tout le moins, ça s'approche. Y a un phénomène important, me semble-t-il, c'est que les Français commencent à se rendre compte qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines institutions financières internationales ont plus de pouvoir sur notre avenir à tous que peut en avoir le Conseil des ministres de la République française. Et ça... Les Français commencent à s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils peuvent voter, ils peuvent aller, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. À la limite, tout le monde s'en fout, ça ne changera pas grand-chose. Alors, ce que l'on observe, bien sûr, c'est qu'il y a des mouvements. On l'a vu dans la Manif pour tous, il y a quelques années. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec d'autres mouvements qui se sont multipliés depuis. On l'a vu avec il y a quelques semaines, il y a 15 jours, avec la manifestation dont vous parliez tout à l'heure, Martial, à Paris. Enfant. Voilà. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui aujourd'hui sont prêts à vouloir casser ce système. Alors, on n'en est pas encore véritablement à la cassure, mais ça va venir. Ça va venir, c'est en train de se préparer. Et je crois que le travail que nous devons tous faire, tout à l'heure, ces jeunes gens de la cocarde l'ont prouvé en réussissant à Nanterre quelque chose qui aurait été inimaginable de notre temps, comme on dit. Ils l'ont prouvé, on peut gagner, on peut réussir à gagner. Peut-être pas complètement, mais enfin, en tout cas, on amorce une victoire qui sera peut-être un jour final, à savoir. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans le pays. On va vers cette prise de conscience générale de nos compatriotes du fait qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. Et à partir de ce moment-là, je crois que la nature des Français fera qu'ils voudront reprendre en main leur avenir. Et ce que disait Laurent Arthur Duplessis est tout à fait vrai. Face à un autre danger, qui au-delà du mondialisme, un autre danger qui est celui issu de l'immigration, qui entraîne l'islamisation et tout ça, il est bien évident qu'un réarmement spirituel de la France serait nécessaire. Mais ce que vous faites, vous disiez tout à l'heure que
c'est pas fraternité, mais le bon l'institut pasteur. L'institut, oui, du bon pasteur. L'institut du bon pasteur regroupe déjà plusieurs dizaines de prêtres. Bien, vous en avez ordonné 35, je crois. Je serais curieux de savoir combien l'Église en a ordonné cette année. Quoi. Puisque vous parlez d'ordination, encore un chiffre. Il y avait, dans les années 60, 65, il y avait 1750 prêtres ordonnés par an en France. Il y en a moins de 80 aujourd'hui. Ouais. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Alors, moi, je serais tout d'accord avec vous pour dire qu'il va y avoir un renouveau spirituel. Bon, j'ai beau scruter l'horizon. Qui est nécessaire, donc j'ai dit qu'il était nécessaire. Comme sœur Anne, je ne vois rien venir. Mais peut-être va-t-il venir à la suite d'une grave crise financière mondiale qui s'approche. Et là, alors, ça... il pourrait y avoir une crise financière, il peut y avoir un début de guerre civile. Hein. Les deux. Et si le gouvernement ne fait rien sur les banlieues, Sarkozy prétendait les nettoyer au Karcher, tu parles, il n'a rien fait. Hein. Un jour, il faudra que les régiments débarquent. S'ils ne se font pas tirer dans le dos, par, comme c'est arrivé il y a 15 jours là, à la préfecture de Paris. Attendez, c'est quand même un policier chargé des renseignements qui en a flingué quatre autres. Hein. Et si les régiments ne se mettent pas du côté des... Exactement, c'est ce que je veux dire. Au moins bon parti. Heureusement que vous nous avez annoncé la victoire finale, parce que là, ça commence à prendre du temps. Il y a encore un peu de temps. Hein. Mais voilà. Je pense que le réalisme, c'est le premier pas d'une éventuelle réaction. Hein, voilà. Parce que ce n'est pas en se cachant la tête sous le sable. Voilà, puis en 1789, il n'y avait plus de prêtres en France. Et puis en 1905, il n'y avait plus de prêtres en France. Puis vous avez quand même survécu à tout ça. Oui, voilà, c'est vrai. Donc on peut avoir de l'espoir. Dites-moi, Nicolas Gauthier, est-ce que vous pensez, comme le dit un peu Roland Elie, finalement, qu'en prenant pas en considération au moins trois grandes populations qui plaisent à TV Liberté, c'est-à-dire les populistes, les bioconservateurs qui manifestent dans la rue contre la PMA-GPA, et puis les populations qui sont aujourd'hui déclassées, comme le sont nos amis gilets jaunes, est-ce qu'en ne prenant pas en considération tout cela, eh bien cette ébullition va entraîner que la France craque, ou pas ? Alors, qu'elle craque ou pas, là, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à une fin de cycle. Ce cycle qui a été entamé dans l'après-guerre. Et notre société, dès 1945, effectivement, va être formatée par la guerre froide. C'est une période intellectuellement assez simple. Il y a d'un côté les gentils et les méchants, on va dire. Le Vatican, non sans raison, explique que le marxisme-léninisme est un mal intrinsèque. Mais d'un autre côté, c'est ce que rappelait très bien Jean Sevilla, le journaliste qui était à nos invités, le contraire d'une erreur n'est pas une vérité pour autant. Ce qui fait que ce monde, qui fonctionnait un peu comme ces paquebots dont les moteurs sont coupés, mais qui continuent sur leur lancée, ce monde a fait illusion encore jusqu'en gros, jusqu'à la fin des années 80. Avec la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, et c'est là où Jean-Paul II dit de façon assez, il y a une préscience, dit que l'URSS est un mal assez facile à combattre. Il y a eu des frontières, une capitale, il était incarné. Le téléphone rouge suffisait à parler avec les responsables qui étaient clairement identifiés. Aujourd'hui, on vit dans le monde que Jean-Paul II redoutait, c'est effectivement l'autre ennemi est autrement plus dangereux, qu'on peut appeler ça le néolibéralisme, le turbo-capitalisme, le mondialisme. Donc c'est un ennemi désincarné, flou, sans frontières, au contraire de l'autre. Et paradoxalement, l'avantage de la guerre froide, c'est que ça permettait de bloquer un petit peu l'avancée, effectivement, de ce nouveau système. C'est ce qu'avait très bien vu Solzhenitsyn aussi dans son fameux discours à l'université, je crois, c'était de Harvard, je crois. Il dit, c'est pas parce que le communisme est une erreur tragique et dont nous souffrons, nous, les Russes, que votre mode de vie est meilleur. Et là, ce système a réussi à tenir à peu près le choc parce que la France pratique depuis longtemps, depuis au moins le CNR, il y a une grande politique de redistribution sociale qui permettait en gros de maintenir le couvert sur cocotte minute. Mais à partir du moment où on n'a plus les moyens d'entretenir les hôpitaux, les écoles, la voirie, les transports en commun, effectivement là le système se fissure de toutes parts. Donc je pense qu'on arrive effectivement à une fin de cycle. Et il y a aussi un grand malaise qui est spirituel, mais qui est aussi d'ordre sociétal. Effectivement, on ne voit plus très bien où on va, et je remarquerai pour finir que d'autres pays ont évité cet écueil, ceux qui d'ailleurs n'étaient pas dans la configuration binaire du bloc de l'Est et l'Ouest,
sont des pays, par exemple, comme aujourd'hui la Turquie, comme l'Iran ou la Russie, qui paradoxalement, effectivement, après avoir été l'empire du mal, est en train de devenir celui du renouveau. Donc je pense, effectivement, nous sommes à une fin de cycle. Philippe Randa, vous n'avez pas pris la parole, vous. Est-ce que vous... On n'a pas parlé des errements, par exemple, des dirigeants Alors, bah, ça tombe bien, j'allais justement y venir. Déjà, si vous me permettez, je vais revoir votre question. Est-ce que la France craque? Je ne pense pas que ce soit la France qui craque, elle en a vu d'autres. En revanche, je pense qu'il y a, que les Français craquent. C'est-à-dire des catégories sociales, de plus en plus nombreuses, craquent les unes après les autres. Et pour répondre, alors, et à votre question, et à la question que se posait M. Labbé-Laguérie, et les dirigeants dans tout ça, moi, je ne suis pas complotiste. Je ne pense pas que les dirigeants soient forcément manipulés, ou soit dans un complot terrible. Je pense que les dirigeants, depuis l'après Mitterrand, je pense que Mitterrand était le dernier président qui pouvait encore penser faire quelque chose en France, mais tous ses successeurs, les Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron aujourd'hui, qui vous dit qu'ils ne sont pas conscients de tous les problèmes, qu'ils ne sont pas conscients qu'on va dans le mur, et qu'ils n'ont aucune solution. Ils n'ont aucune solution, pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont un logiciel obsolète. Pendant des années, on leur a dit que dès qu'on allait avoir la relance économique, tout allait repartir, tout allait bien. Pendant des années, on leur a dit que cette immigration était formidable et qu'elle allait s'assimiler, s'intégrer d'abord, s'assimiler ensuite. Vous voyez, aujourd'hui, on ne parle plus du tout d'assimilation, d'intégration. On parle du vivre ensemble. Et puis peut-être que demain on parlera du vivre comme eux. On ne sait pas. Mais tous ces dirigeants, donc, pour revenir sur... On parle de politique, on parle de bonne gouvernance. On parle comme si la France était un conseil d'administration. Oui, et surtout, ces gouvernants, soit ils ont un logiciel totalement obsolète, soit ils ont conscience qu'on va dans le mur, qu'ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas les solutions. Et comme ils n'ont pas les solutions, bah, il faut bien qu'ils vivent aussi, ces gens-là. Ils vont essayer de tenir le plus longtemps possible, et après eux, le déluge. Et après eux, le déluge. Il y a une phrase qui est terrible, c'est de dire « on va laisser des dettes à nos enfants ». Mais pour nos parents, grands-parents et tout, cette simple notion de laisser des dettes aux enfants aurait été inimaginable, insupportable, scandaleuse. Et aujourd'hui, nos dirigeants l'admettent comme un fait établi. Et on en revient à une information que j'ai entendue sur ce plateau et que je me plais à répéter, c'est que la plupart aujourd'hui des dirigeants européens n'ont pas d'enfants, n'ont pas de descendance, n'ont pas d'avenir eux-mêmes à titre personnel. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils aient conscience de l'avenir pour les autres? Donc, après eux, le déluge. Voilà, c'est peut-être ça, et c'est pas forcément aller chercher des complots ailleurs. Je vous donne la parole tout de suite. Je place. Laura Arthur Duplessis, je vous donne la parole. Et déjà, on veut venir s'immiscer les dessins d'Ignace, vous aurez le droit d'avoir le vôtre. Philippe Randa, sensible au fait que Labbé-Laguérie condamne la société sans Dieu, en tant que païen, je pense qu'il n'a pas tort. T-H-O-R. Voilà. Qu'on prenne qui pourra. Laurent Arthur Duplessis. Oui, tout à fait. À l'appui de ce qui vient d'être dit, je crois que les dirigeants sont de plus en plus paniqués. J'en veux pour preuve les déclarations faites de plus en plus fréquemment et déclarations d'angoisse et d'inquiétude faites par les responsables de la finance internationale. Christine Lagarde, par exemple, qui va prendre la tête de la Banque Centrale Européenne, un certain nombre d'anciens patrons de banques centrales qui ont signé récemment un manifeste dans le même sens. J'en veux pour preuve le fait qu'un certain nombre d'autorités financières commencent à évoquer le recours à l'or comme moyen de réasseoir la stabilité financière mondiale suite à une création monétaire devenue complètement folle et qui, cette création monétaire, va conduire justement à un moment donné à un collapsus financier mondial. Mais on sent que parmi ces hautes instances financières mondiales, il y a l'idée, la conscience, qu'elles ne maîtrisent plus rien, elles ne contrôlent plus rien. Et on voit bien que les banques centrales ne peuvent pas remonter les taux d'intérêt, parce que si elles le font, tout le système implose, s'écroule sur lui-même. Donc, on a maintenant ce qu'on appelle des taux d'intérêt négatifs, ce qui est une aberration sur le plan financier. Mais pourquoi ces taux d'intérêt négatifs? Parce que le système arrive au bout de son rouleau. Il est au bout de sa logique. Et pour se survivre à lui-même, le système recourt à des expédients ubuesques, les fameux taux d'intérêt négatifs, qui ont pour conséquence notamment d'affaiblir considérablement les banques qui n'en ont pas besoin,
et qui ont pour conséquence, en réalité, de nous rapprocher du collapsus, de la crise financière mondiale. Et là, peut-être que le renouveau spirituel arrivera justement à la suite de ça. Mais je crois que le fond de l'affaire, c'est que tous les dirigeants sont affolés, cachent leur, plus ou moins leur affolement, mais de moins en moins bien d'ailleurs, mais ne contrôlent plus rien. Oui, je voulais ajouter un mot. Je vais montrer le dessin avant. Juste une anecdote. Je vous laisse dire votre anecdote. Je vais montrer que Ignace, c'est vraiment le sens de l'actualité, puisqu'il dit « Laurent-Arthur Duplessis avait déjà prophétisé la crise que nous connaissons. Repentez-vous, le pire est à venir. Convertissez votre argent en métaux précieux. » Voilà. Donc, vous voyez, il avait bien suivi. L'anecdote, monsieur Labbé, pardon. Oui, en entendant nos deux amis, là, je pensais à une réflexion que j'ai lue récemment, mais authentique. C'est le président Mitterrand avec sa femme Danielle, comme chacun sait. Et Danielle, au bout de 2 ans de présidence de Mitterrand, de François Mitterrand, lui dit « Mais enfin, comment se fait-il que tu n'appliques aucune des réformes que tu as annoncées ?» Et Mitterrand de répondre « Mais tu crois encore que c'est le président qui dirige la France ?» Et voilà. « Et c'est le pognon qui dirige la France. » Et ça a empiré depuis. Et ça a empiré. Il y a une chose… Oui, je vais redonner la parole. Juste une chose… Tu as donné ma parole à ma gauche. Pour rebondir sur ce que dit tout de suite Arthur et finalement vous aussi, Monsieur Labbé, on oublie une chose, dans les crises financières qui s'annoncent, la multiplicité maintenant des nouvelles monnaies. Après les bitcoins, on a la fameuse monnaie de Facebook. On a toutes les monnaies locales qu'on voit un peu partout, qui marchotent plus ou moins. C'est-à-dire que même la monnaie ne sera plus un refuge, puisque s'il y a une crise financière, il y a déjà des tas d'autres monnaies qui sont prêtes. Et on constate que les banques centrales stockent de l'or énormément. Je pense à celle de Russie, celle de Chine, celle de l'Inde, celle de la Turquie notamment. Et il y a actuellement comme un recours à l'or, de plus en plus, de la part des banques centrales qui se préparent à la tempête monétaire. Bon, tout ça continue à être sympathique. Roland Élie s'attend au pire, lui aussi, pour la France. Mais garde espoir, il doit bien y avoir une Jeanne d'Arc qui traîne quelque part. Ce n'est pas votre façon de parler. Non, en revanche, il y a une chose qu'il faudrait indiquer. C'est ce qui est vrai en France, c'est aussi vrai au niveau européen, et voire peut-être au-delà, d'ailleurs. Toute cette inquiétude qui augmente, tous ces... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le continent européen qui est mené par le doute. Ça, oui, c'est ça. C'est un petit peu. C'est le réveil aussi de tous les populismes, les nationalismes, appelons ça comme on veut. Et on ne peut. Enfin, moi, personnellement, je ne peux que m'en féliciter, puisque cette situation engendre une réaction qui, à mon sens, est une réaction saine. Voilà. Et c'est le retour. Engendre aussi la violence. C'est le retour des fondamentalismes religieux. Ah, ben ça, c'est le problème. Pas seulement musulmans, mais même hindouistes, par exemple, et autres. Sauf le catholique. Oui. Sauf le catholique. Ouais. Soyons chacun son tour. Chacun son tour pour les religions. Nicolas Gauthier, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Regardez, j'ai un dessin. Vous savez qu'un jour, vous avez dit que vous ne fumiez pas. Je le sais, d'ailleurs. Tout au moins, ce genre de substance. Depuis que vous l'avez dit tous les jours, il le fera. Nicolas Gauthier affiche son soutien aux soldats du feu. Je fume comme un pompier. Non, mais... Poursuivez, ne tenez pas compte de tout cela. Non, mais après, sans être trop pessimiste, il est vrai que... Non, essayez, parce que là on est au bord du suicide. Notre société traverse ce qu'on peut appeler une crise de sens. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on bientôt, on sera le dernier, la France sera le dernier pays à avoir un pays qui abandonne, un gouvernement qui abandonne la politique. Parce qu'effectivement, comme on dit à l'instant, on ne parle que de bonne gouvernance, alors que de nombreuses nations dans le monde, et pas des moindres, la Chine, l'Inde, même les États-Unis, avaient à la façon un peu foutraque de Trump, ils sont en train de revenir des fondamentaux politiques, et nous, on persiste effectivement à voir l'espèce de fin d'ancien monde. Il suffit d'aller... la Russie, par exemple, est quand même un pays qui redonne du sens et des valeurs nobles à la politique. Ça se voit avec tout ce qui s'est passé en Syrie, avec les Kurdes, l'État islamique, qui règle le problème, c'est pas Macron, hein. C'est Vladimir Poutine, et c'est l'Iran, et c'est la Syrie, quoi. Donc on redécouvre quand même les vertus de la politique.
Alors que nous, à l'étranger. On est encore dans le cycle kouchnerien. Que fait-on pour les droits de l'homme, avec l'amour des petits peuples adorables comme les Kurdes, mais qui sont les pauvres, qui sont les éternels coculissoirs, comme les Polonais ont pu l'être à une époque. Mais on revient à la réelle politique et au sens d'irréalité. On peut remarquer d'ailleurs que Vladimir Poutine a fondé le renouveau de la Russie sur trois piliers. Les services de renseignement, l'armée et l'Église orthodoxe. Et l'Église orthodoxe en Russie a retrouvé un rôle prévalent, et le spirituel, donc, a retrouvé en Russie un rôle fondamental. Parfait. Ah, bon, allez, on va se contenter pour l'instant. Pour l'instant, du réveil des populismes, le réveil aussi des bioconservateurs, le réveil aussi des gilets jaunes. Ici, nous avons été 100 fois à dire combien, il y a 50 semaines déjà, nous n'aurions pas parié un sou sur une mobilisation aussi puissante, aussi belle, même si elle a été dévoyée par la suite, aussi belle et aussi précieuse. Dans le passé, les manifestations des syndicats, de la CGT notamment, de la CFDT, remplissaient les rues beaucoup plus que les gilets jaunes. Je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvaise augure. Ils ont obtenu plus que la CGT. Ça n'a rien à voir, parce que les manifs des syndicats sont subventionnés par l'État. On appelle ça un jeu de rôle. Moi, je vois bien, mais dans les années 70, les manifestations chez les syndicats, c'était le 1er mai et 2-3 grèves de temps en temps. Voilà. Les gilets jaunes, ça dure non, plus d'un an. Non, mais c'est vrai, quand même. Il y a aussi une chose à noter, et j'en étais le premier, heureusement, étonné. Je pensais effectivement que le retour de la manif pour tous, je dis c'est bon, ils ont jeté leur dernier feu, ils vont faire un truc sympathique le 6 novembre. Ils étaient quand même pas loin de 700 000. On est là, Et ça n'a rien à voir avec la manif pour tous et les gilets jaunes. Là, on parlait des gilets jaunes. Moi, je pense que ce sont des réactions. Et les autres trois manifestations par an de la CGT, vous comptiez très bien. Mal. Eh bien, je trouve que c'est la même chose, moi. Je trouve que les gilets jaunes, ce sont des populations déclassées qu'on n'écoute plus. Et je trouve qu'à contrario, les gens de la manif pour tous, ce ne sont pas des gens déclassés. Ce sont plutôt même des gens qui correspondent aux élites. Oui. Et pourtant, on ne les entend plus de la même façon. Ils ne sont pas entendus. Et ceux qui votent pour Lassalle, qui votent pour Dupont-Aignan, qui votent pour Le Pen, qui ont voté pour Fillon, qui votaient pour, j'en ai oublié un, Asselineau et quelques autres, qui représentent une majorité d'ailleurs de Français, eh bien, à chaque fois, ils ne sont pas entendus, ces gens-là. Ils ne sont pas entendus parce que soit ils sont trahis par leur parti, c'est le cas dans le cas de M. Fillon, soit ils ne sont pas entendus. Et moi, je trouve que cette France qui n'est pas entendue, eh bien, elle est majoritaire dans le pays. Ah oui. Eh bien, à chaque fois, elle arrive à démontrer qu'elle est capable de se mobiliser le 19 janvier prochain. Elle se mobilise encore. Ah ben, je crois ça. Pour ça, je suis optimiste. Vous confondez les gilets jaunes et les manifestations anti-GPA. C'est deux choses différentes. Non, eh bien, je ne crois pas. Eh bien, je ne crois pas. C'est une révolte de même nature. Ce sont des gens qui ont le sentiment de n'être pas entendus. Mais... Alors que les syndicats... La preuve en a été donnée aux dernières élections européennes avec une liste Macron à 24%. Ça n'a pas d'importance. La liste du Rassemblement National arrive en tête. Hein. Voilà. Et ça ne veut pas dire que le soutien médiatique au Rassemblement National soit quand même délirant. C'est pas les élections. C'est à chaque fois des gens qu'on humilie. À chaque fois des gens qu'on humilie. Ils sont humiliés. C'est cette France humiliée qui va réussir à se lever. Moi, j'en suis certain. Je suis même certain que le succès de la liberté, c'est ça. Je suis sûr de ça. Je suis sorti. Je suis un animateur, je suis neutre. Allez, Martial Bill veut célébrer la 50e des Gilets jaunes, ça tombe bien. Et le 51e, on l'arrosera au pastis, bien évidemment. Évidemment. Ah là là, le jour où j'ai dit que je buvais pas, j'ai une bouteille à la main tout le temps. Ah ben Emmanuel Macron, un papa, une maman, c'est ringard. Avec la PMA, maintenant, c'est un bifton, une semence. Voilà, youpi. Allez, l'abbé Laguéry ne croit pas en la politique de Macron. Jupiter, c'est pas mon dieu. Voilà. Castaner, pas facile de maintenir la sécurité. Faut gendarmer les policiers et policer les gendarmes. Voilà, jeu de mots. C'est joli. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est celui-là que j'aurais applaudi le plus. Bon, les plus grands féministes, c'est nous, dit ce salafiste, on se bat pour le droit des femmes à porter le voile. Alors... Et puis sur le voile, retour de monsieur l'abbé Laguéry. Abbé Laguéry, fervent défenseur du voile pour les bonnes sœurs et de la soutane pour les curés. Voilà. Ouais. On se retrouve tout de suite dans quelques instants pour le dernier sujet de Bistro Liberté. A tout de suite. Mmh.
Philippe Laguéry, Monsieur l'Abbé, vous allez découvrir, grâce aux donateurs qui sont dans cette grand studio de TV Liberté et qui nous ont permis d'avoir une voix qui va vous poser des questions. Donc c'est à elle que je vais céder la place, la voix. Posez vos questions à l'abbé Philippe Laguéry. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué en 2019 ? Oh, les gilets jaunes, j'ai participé, moi, aux gilets jaunes au départ. Ouais. Le 19 novembre, j'étais dans la rue, bon, à Châteaudun, et je me suis mêlé à un groupe qui n'en revenait pas de voir un prêtre en soutane et en gilet jaune. Ça fait bon effet, d'ailleurs. Bon, c'est pas mal. C'est sur un rond-point. Et alors, je me suis sur un rond-point. Un rond-point, Châteaudun. Il y a la photo sur on le net. On les a filmés à Châteaudun. Sur mon blog, vous verrez, j'ai mis la photo. Et évidemment, je n'ai pas choisi le titre de la pancarte qu'ils brandissaient tous. C'était un peu cavalier. Il y avait marqué en grosses lettres d'un mètre, on en a plein le cul. Bon, enfin, évidemment, si j'avais pu choisir le texte, j'aurais mis les sabots, on en a plein, je ne sais pas quoi. Mais bon, là, c'était un petit peu sportif. En tous les cas, oui, je pense que ça a été... malheureusement, ce Macron est d'une habileté terrible et pour l'instant, il arrive à noyer le... Enfin, c'est peut-être le débat de tout à l'heure, mais il arrive à contenir apparemment tous ces débordements justifiés. Moi, j'ai connu la France des années 80. On était riches. Enfin, pas riches, mais on n'avait pas de problème. Les fidèles n'avaient pas de problème de fin de mois. J'ai restauré deux églises de fond en comble, j'ai mis 1 million d'euros dans la première, 1,5 million d'euros dans la deuxième, et j'ai jamais pratiquement demandé de l'argent, parce qu'il y en avait, les Français en avaient. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez une retraite de 500 ou 600 euros, il y a de quoi mourir de faim. Hein, et ça, c'est là, je soutiens les gilets jaunes. Malheureusement, bon, s'ils n'ont pas été suffisamment structurés, et dans ce monde, tout est politique, et comme ils n'ont pas su se structurer, ils n'ont pas eu l'impact, voilà. Bon, en ce moment, Macron est en train de se débattre à La Réunion, où c'est encore pire que chez nous. Il y a un chômage de 40%, voire 60% chez les jeunes de 15 à 25 ans. Vous imaginez que ça peut pas durer longtemps, hein, quand vous avez 40-50% pratiquement de la jeunesse qui est au chôme du. Alors malheureusement, pour l'instant, en France, mais ça c'est un autre débat, ça a l'air de Macron a l'air de juguler tout ça, d'écraser tout ça. C'est très mystérieux. Voilà. Châteaudun, le pays du noix qui souffre socialement. Autre question. Quel est votre héros dans la fiction ? Dans la fiction, hein ? Dans la fiction, oui. J'aime beaucoup Nestor Burma. Pour les plus jeunes, expliquez, parce que je ne suis pas sûr. Ah oui, mais moi je regarde Nestor Burma, ces derniers jours. Nestor Burma, c'est une enquête de police, jouée par Guy Marchand, c'est dans les années... J'étais pas né. Les années 90. J'étais pas né. Dans les années 90, je regarde la série aussi. Ah, avec voilà. Ce sont des livres de Léon Mallet déjà à l'origine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime chez Guy Marchand, alias Nestor Burma, c'est qu'il est en même temps, il fait des enquêtes de police, il y a toujours des crimes partout, etc. Mais il résout tout ça, mais avec le sourire, avec détente, voilà, avec son saxophone, etc. Mais c'est en même temps un homme très sérieux. Consciencieux qui mène ses enquêtes avec une conscience professionnelle totalement... il est très dévoué complètement à son métier, mais avec ça, il fait des blagues tout le temps, il fait de la musique... C'est un peu vous, les crimes en moins, quand même. Voilà, moi, je ne résous aucun crime, je n'en commets pas non plus, lui non plus, mais j'aime bien cette alliance du sérieux et du sourire et de la plaisanterie. Voilà. Guy Marchand, dont on aura évoqué aujourd'hui le personnage, à la fois acteur et aussi chanteur. Mais je dis aux jeunes de télécharger Guy Marchand. C'est bien évidemment, et ce n'est pas en noir et blanc. Ensuite, on poursuit. La personnalité avec qui vous aimeriez dîner. Oh, ça c'est... J'ai dîné avec des personnalités, des fois. Je me suis retrouvé avec Mitterrand au dos d'un bouffant, là, quand j'étais curé de Saint-Nicolas, dans le 5e. J'ai été invité régulièrement chez Jean Edernalier.
J'ai connu quelques académiciens, Michel Droit, Jean Dutour, qui étaient de mes paroissiens l'un et l'autre, Jacques Dufilot, etc. Je vous désignais une personnalité, je dînais régulièrement avec Madiran, qui était vraiment un homme très attachant, je l'ai déjà dit. Maintenant, bon, j'ai rencontré une fois le pape, mais ça ne m'a pas tellement branché. bon, c'est comme ça. Bon, il faut dire qu'à part me serrer la main et me bénir, il m'a béni quand même. Je l'en remercie. Le pape actuel. Oui, le pape actuel. Oui. Voilà. J'aimerais bien rencontrer Michel Onfray. Ah oui. Parce que. Fréquenter le diable. Ben, j'aimerais bien lui expliquer que il peut pas te faire dire n'importe quoi à l'histoire, et surtout oser nous écrire un précis date théologie en un mot, hein. Un précis date théologie, sans aborder une seule fois, j'ai lu son traité de 650 pages, sans aborder une seule fois la question de Dieu. C'est quand même une prouesse. Non mais faut le faire. Ouais. Faut le faire. La question de savoir si un Dieu pourrait exister, s'il existe, qu'il n'existe pas, s'il y a une révélation, s'il y a... Tout ça, il n'y en a pas un mot dans son traité de 650 pages. J'aimerais quand même un jour que quelqu'un le lui dise. Bon, si quand je critique quelqu'un comme ça aussi fort, c'est qu'il y a des choses que j'apprécie. Bon, sa culture, sa plume, c'est un homme... Son courage aussi, un peu. Et son courage, et c'est un homme qui ne parle pas, qui n'écrit pas pour ne rien dire. Et ça, j'ai horreur de la langue de bois. Hein. Donc ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui dit quelque chose. Maintenant, on ne peut pas dire non plus, parce qu'on dit quelque chose, dire n'importe quoi. Voilà. Quand il nous dit qu'il y a 700 000 sorcières qui ont été brûlées par l'Inquisition, là, je ne sais pas où il était, mais il avait fumé la moquette, hein, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Les choses sont claires. Bon, on poursuit. S'il y en a eu 1000. La voix. Et si vous étiez un livre ? C'est facile, là. Oh, bah évidemment, vous pensez que je vais répondre la Bible. Bah, mais oui. on peut quand même... moi, je suis un amoureux des épîtres de saint Paul. C'est la Bible aussi, hein, on est d'accord. Mais c'est pas l'Évangile. Si, alors l'Évangile, j'y passe ma vie. Mais j'aime beaucoup la théologie de saint Paul. Pour moi, le grand théologien de l'Église catholique depuis 2000 ans, c'est saint Paul. Les autres ne font que recopier ce que saint Paul a pensé. Et puis saint Paul est inspiré du Saint-Esprit, donc c'est les raisons dans ça. Je ne comprends pas pourquoi les fidèles ont une espèce de défiance vis-à-vis des épîtres de saint Paul. Ouais, c'est dur à comprendre des fois, c'est pas facile. Non, si, c'est facile. Non, c'est pas dur à comprendre. J'ai encore dit une stupidité. Non, je n'ai pas dit ça non plus, ni la première, ni la seconde. Quand on ne comprend pas... Saint Paul est fulgurant. Il est fulgurant, c'est-à-dire qu'il a quatre idées en même temps. Mais attention, il les met en ordre, il les expose et il retombe toujours sur ses pieds. Donc si vous ne comprenez pas à première lecture un texte de Saint Paul, relisez-le deux fois et vous verrez que tout est en place. Et c'est de la dentelle, un point de vue théologique. C'est merveilleux. Alors, il y a 14 épîtres de saint Paul, et vous pouvez... j'invite tout le monde à les lire. Saint Jean Chrysostome se vante d'avoir lu toute sa vie, chaque semaine, les 14 épîtres de saint Paul. Seulement, quand il prêchait, il disait quelque chose, hein. Il y avait de la substance dans ses prédications. C'est parfait. Donc j'ai bien saisi Nestor Burma. On poursuit avec Michel Onfray et saint Paul. Allez, c'est la dernière question. Que chantez-vous sous la douche ? Alors, vraiment, tout. De tout. Quand je me lève, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vous fait ça, les autres, j'ai toujours un air dans la tête, que je n'ai pas choisi d'ailleurs. C'est très curieux. Et quand je me rase, quand je me lave, j'ai eu un air qui vient. Alors qu'est-ce ? Et je ne l'ai pas choisi. Il est venu parce que je me réveillais. D'où il vient, j'en sais rien. Alors, il y a tout. Ça peut être un introïte grégorien, un graduel. Ça peut être du classique. Ça, c'est courant. Monteverdi. Oui, ça, c'est l'influence du métier. D'accord. Mais ça peut être des classiques, des baroques. J'aime beaucoup Monteverdi, j'aime beaucoup Handel, j'aime beaucoup, etc. Mais ça peut être aussi les chants, les Sixties. J'aime beaucoup Polnareff. Bon. Et très souvent, j'ai un air de Polnareff. Sous quelle étoile suis-je né ? Voilà. Vous êtes en France ?
Ah, Lettre à France, bien sûr. Ah ben sûr. Voilà, vous voyez, j'allais, oh, que j'allais vous toucher. Et le bal des Lazes, et le bal des Lazes. Oui. Et beaucoup d'autres. Alors, je n'ai pas une musique déterminée, je ne la choisis pas moi-même, mais pendant une heure et demie, j'essaye d'arrêter quand je dis la messe, parce que là, ça fait des ordres. Ah bah surtout, hein. Surtout voilà. Le bal des Nazes, le bal des Lazes, fidèles, voilà, hein, même etc. si c'est en latin. Exactement. Mais sous quelle étoile suis-je né? Bon, ce n'est pas une distraction. Car Paul Naref parle très souvent de la mort et de... Voilà. Mais je n'ai pas de chanson qui revient tout le temps. Je suis très éclectique dans ce domaine. Parfait. Et comme la voix a pris le pouvoir sur ce bistrot Liberté, il semblerait qu'elle veuille encore intervenir. Que dira de vous la postérité ? Ça, c'est facile. Ça, c'est pas facile. Ah, bah non, je n'ai pas dit que c'était facile. J'espère qu'elle m'oubliera un peu, parce que bon. On est des serviteurs, nous. Inutile, comme dit l'Évangile. Et donc, si ce que j'aimerais que la postérité garde, c'est la foi que j'ai viscérale. Je suis tombé dedans comme Obélix quand j'étais petit. Et j'ai pas besoin de potions. J'ai une foi à tout casser. Et j'espère que ça, on le retiendra. Je signale que j'ai fait un catéchisme en 32 leçons qui est sur mon blog. Je commente l'écriture sainte en ce moment, les livres de Samuel. J'ai fait une liturgie pour les nuls. Enfin, je suis bien dans la foi. Et je respire, je vis, et j'espère que ça se voit, que ça se transmet. Oui, un peu, ça se voit, ça se voit. Et ça s'entend. On va aborder le prochain thème de Bistrot Liberté. Avant cela, vous savez que je suis aussi animateur et vendeur, puisque nous sommes partenaires de Terre de France et Parfums pour Hommes et pour Femmes, qui sont un véritable succès. Les voilà, si la caméra ne va pas à eux, j'irai moi à la caméra. Terre de France, c'est pour un parfum pour hommes, le voilà, un parfum pour femmes. Les ingrédients, vous les découvrirez sur le site tvliberté.com. Il faut savoir que c'est un énorme succès, c'est une grande surprise, parce que TV Liberté, ce n'est pas une télévision faite pour vendre du parfum, si vous voulez. On est quand même un peu loin de nos objectifs. Il n'y a pas de petits bénéfices. Les objectifs du président Millot. Mais pourtant, avec ce partenariat-là, eh bien, nous trouvons, comment dire, là, l'occasion eh bien, d'un beau cadeau, hein, déjà pour les fêtes, parce qu'on a commencé déjà Pourquoi c'est plus petit pour les filles ? Alors pour les filles, c'est plus petit parce qu'elles sont plus petites, parce que c'est peut-être plus beau, parce qu'il y a plus de clémentine, parce qu'il y a plus de réglisse. Enfin, j'en sais rien, ne me demandez pas. Tout ce que je sais, c'est un parfum. Concentré. Je le sais, c'est un parfum au service de notre pays, car il est imaginé, et ça c'est important, c'est ça que vous devez retenir, qu'il est imaginé et fabriqué en France. Il est aussi invité à la solidarité nationale, mon cher Laurent, puisque 100% des bénéfices sont reversés à des associations qui aident soit les agriculteurs, soit des militaires, soit des artisans, soit des écoles rurales, etc. Moralité, on fait du bien et on sent bon. C'est Terre de France et c'est sur le site tvliberté.com. Merci. Allez, on se retrouve tout de suite. Faut-il rétablir le service militaire ? En France, le débat sur un éventuel retour du service militaire réapparaît fréquemment depuis sa disparition actée par Jacques Chirac. Si ce dernier existe encore dans 9 États européens, il est remplacé dans notre pays par le service national universel. Cependant, le SNU est vu comme un gadget dérisoire ou comme un outil insuffisant et non obligatoire. Alors, faut-il rétablir le service militaire ? Alors, Philippe Laguéry sur cette question du service militaire. 2000 volontaires de 16 ans, l'objectif est de recruter 30 000 nouveaux jeunes d'ici l'été prochain, selon Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Ben voilà, ça va dans le bon sens. Ah oui, oui, ça va dans le bon sens. C'est dérisoire, mais ça va dans le bon sens. Le contingent des classes de service militaire, c'était 450 000 environ le contingent en France.
dans les années de la guerre d'Algérie, tout ça. Bon, bah, 30 000, c'est un petit début. J'ai eu deux semaines, hein, une première phase de deux semaines où ils ont... Oui, deux semaines. Alors nous, c'était un an et demi, deux ans. Je regrette beaucoup, beaucoup la disparition des services militaires. C'était un moyen de civilisation, de respect. Le respect de l'autorité. Je veux préciser que malgré les applaudissements très forts des uns, il n'y a pas d'applaudissements des autres. Hein. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas prêt. Parmi les jeunes que je vois derrière moi, il y en a une trentaine à partir pendant 12 mois faire son service militaire. Eh bien, hein. Je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est et ça leur ferait un bien fou. Qu'il ait fallu faire une réforme. Parce que les armées modernes sont des armées de métier, ça devient trop compliqué de faire la guerre. Ça, Chirac n'avait pas tout à fait tort, à mon sens, là-dessus. Mais le côté civilisationnel du service militaire était insurpassable. On y apprenait l'autorité, une certaine forme de dévouement. On y apprenait l'amour de la patrie, je suis désolé, même si on râlait du matin au soir, dans les corvées, etc., que dès que quelqu'un faisait un geste de zèle pour le régiment, on le traitait de rampouille. Enfin, j'ai fait mon service militaire, je sais de quoi je parle. Bon, voilà. Je crois que la cuisine, c'était pas ça non plus. Mais on aimait... Mais il râlait tout le temps. Le soldat de base râlait tout le temps. Mais quand c'était l'acquis qui arrivait, hein, les libérables, et j'en ai vu, la plupart avaient les larmes aux yeux quand ils quittaient. Hein. Attendez, moi ça je l'ai vu de mes yeux de vue. C'est le syndrome de Stockholm, non ? Non, oui, c'est ça, mais ils étaient effondrés de quitter ce bon moment qu'ils avaient passé, et puis ils avaient beau râler du matin au soir, il y avait des camarades, et ils étaient payés, on leur fournissait leur... Et puis ils apprenaient l'amour, un peu de dévouement, un peu de générosité, et puis ils montaient des couleurs tous les matins, et à l'époque, il ne fallait pas cracher sur la France, hein, parce que vous vous retrouviez au trou, et ceux qui ne voulaient pas faire leur service militaire, deux ans de forteresse, hein, les objecteurs de conscience. Eh bien, ça vous formait une jeunesse. Mais c'est pas... Nicolas Gauthier. Tout ça, c'est paradoxal, sachant que vous venez que vous défendiez avec autant d'énergie des acquis de la Révolution française. Ah, bien joué. C'est pas mal trouvé, je reconnais. Mais je trouve aussi... C'est vrai que la mobilisation de masse, c'est la Révolution française. Autrefois, il n'y a que les nobles qui faisaient la guerre. Autrement dit, les guerres, c'était des escarmouches qui faisaient quelques centaines de morts, quelques milliers, mais pas les boucheries qu'on a connues depuis. Alors ça, vous avez raison. Mais c'est pas de ça que je vous parle, moi, parce que le service militaire, et j'ai même dit le contraire, c'était pas de faire la guerre. Vous savez, les bidasses qu'on formait, moi je suis incapable de faire la guerre, moi j'ai fait mon service militaire, et ceux qui l'ont fait étaient incapables de guerroyer. C'était pas le but de l'opération, c'était pas de faire la guerre. C'était une formation civique, politique, morale, intellectuelle non, mais non. Une incorporation. Non, on ne peut non, pas dire. Non, hein, on ne peut pas dire. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Mais qui faisait aimer la France. On apprenait à boire, à se laver, enfin c'était bien, c'était sympa. Oui, non, mais à se laver, à se doucher, à fumer. Enfin, moi, j'ai la prétention de l'avoir su avant, mais néanmoins... Et même à écrire son nom. C'est vrai. À la corporation, oui, il y avait toujours sur 40, deux ou trois qui ne savaient pas écrire leur nom. Ils savaient le prononcer, parce qu'ils n'étaient pas sourds, mais ils ne savaient pas. Et voilà. Mais c'était une civilisation extraordinaire. Alors, et moi, je serais pour le rétablissement du service militaire. Alors, je crois qu'il y a deux choses. C'est une très vieille histoire d'antagonisme entre armée de métier et service militaire obligatoire. Le général de Gaulle il était colonel à l'époque, publié en 1934 un livre vers l'armée de métier. Il n'avait d'ailleurs rien inventé. C'est un débat qui avait commencé en Allemagne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le général von Sick, qui avait créé la Reichswehr de la République de Weimar, avait été pour l'armée de métier bien avant que le traité de Versailles impose 100 000 hommes. Il était pour l'armée de métier, il avait fait une armée d'élite sur la République de Weimar. Et avec De Gaulle montre bien qu'avec la sophistication, mais vous l'avez un peu évoqué, oui, des matériels, oui, je comprends. Il faut des professionnels capables de servir un système d'armes extrêmement complexe, extrêmement coûteux. Sophistiqué. On ne peut pas mettre ça entre les mains d'un piou-piou qui a tiré trois coups de fusil, ça n'existe plus. L'armée de Godillot de Napoléon n'existe plus. Mais à Laurent Arthur Duplessis, je vous arrête. Si vous me dites ça,
je tourne vers l'Union européenne, 27 nations. Sur ces 27 nations, 8 nations ont encore une armée, la Grèce, la Finlande, la Suède, le Danemark, l'Autriche, l'Estonie, la Lituanie, la Norvège et aussi la Suisse, si vous restez en Europe. Sur ce magma, il y a deux armées qui comptent. Ce sont deux armées de métier, c'est l'armée française et l'armée anglaise. Le reste, ça compte pas. Ah bon? Non. Ah bon, l'armée allemande ne vaut plus rien. Et l'armée russe, elle ne vaut plus rien. Elle est professionnalisée, l'armée russe, chère amie. Non, il y a un service de 12 mois. Non, mais très marginal. La première fois. La première et en Israël, guerre, ça ne sert pas la service de 3 ans la première, guerre, de la première guerre de Tchétchénie, c'est une armée d'appel qui l'a fait. Elle a été dévastée par les Tchétchènes. Et c'était 94-96. La deuxième guerre de Tchétchénie, 2000-2002, c'est une armée de métier qui l'a fait. Elle a gagné contre les Tchétchènes. Et Israël, c'est encore autre chose. Il y a une espèce de figuration plus ou moins folklorique où des petites soldates en uniforme et avec une mitraillette. Et la Turquie, c'est une armée qui est la deuxième armée de l'OTAN. Mais qui est très surfaite. Hein. Mais qui apparaît comme de plus en plus surfaite. Bon, pas tant que ça, semble-t-il, les Kurdes. De plus en plus. Et en fait, on voit bien que... Je ne vais pas vous dire, la Corée du Nord, c'est 42 mois. Mais la Corée du Nord, attendons de voir qu'elle fasse ses preuves. Chine a 3 millions de soldats. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut plus se permettre maintenant de former un soldat, de le laisser partir ensuite. Ah, c'est clair. Donc, on a besoin, une fois qu'on a formé un soldat, et c'est assez long aujourd'hui de former un soldat avec les systèmes d'armes d'aujourd'hui, c'est donc très coûteux de le former parce qu'il faut que dans les chars, on fasse rouler les chars, par exemple, il faut que dans l'artillerie, on tire au canon, et ainsi de suite. Donc, c'est coûteux de le former. D'accord. Et une fois qu'on l'a formé, on ne peut pas le laisser D'accord. partir. D'accord. J'attire votre attention sur le fait que l'Autriche et la Suisse ont récemment confirmé la conscription obligatoire par référendum, et à une très large majorité. Oui, mais désolé de vous le dire. Vous savez, c'est dans les guerres qu'on voit les résultats de tout ça. Alors c'est pourquoi pas... la Suisse maintient son armée. Et c'est parce qu'il y a des liturgies, c'est parce que c'est de l'ordre du sacerdoce, alors pardonnez-moi. Mais l'armée suisse, mais attention, et moi j'ai connu pas mal de Suisses puisque j'ai fait mes études de séminariste en Suisse, et c'est pas des... Ils savent faire la guerre, hein. Ils ont des sessions pratiquement tous les week-ends ou tous les 15 jours. Ils vont tirer au fusil, ils s'entraînent, ils font des commandos, etc. C'est clair que l'armée la Suisse serait envahie, elle serait bien défendue. Hein. Oui. Et puis tous les ponts sont minés, etc. Il y a un terrain, on va laisser passer les autres, mais continuez, terminez. C'est pas du folklore. Il y a un terrain montagneux suisse très propice, mais cela dit... Il y a un noyau de militaires professionnels en Suisse forcément. Qui structure tout militaires ça. Professionnels. Il en Donc faut. Là, on a entendu, messieurs, deux points de vue. En gros, vous reprenez le point de vue de Daniel Pénac qui avait écrit « Le service militaire, c'est un acte citoyen qui permet d'accéder à une forme de maturité sociale. Hein, » Voilà, c'est ça. Vous, vous dites bien évidemment ce que d'ailleurs a dit Jacques Chirac, et qui n'est pas antinomique, c'est qu'il faut une armée professionnelle. Et je dis encore juste une chose. La réussite du service militaire il y a 50 ans ou 80 ans, ça n'était que la conséquence de la réussite de la famille et de l'éducation nationale. Le service militaire qui arrivait à 18 ans, 19 ans, ne faisait que recueillir les fruits de l'effort des familles et de l'éducation nationale, et aussi d'ailleurs du système privé, pour éduquer, structurer moralement les jeunes. Et aujourd'hui, où ces fonctions ne sont plus faites par la famille et l'éducation nationale, de toute façon, le service militaire se délitait de plus en plus dans les dernières années de son existence. Il faut pas oublier ça non plus. D'accord. Par démission de l'autorité. Il y avait encore des régiments qui se tenaient très très bien dans les années 80. Hein. Oui, parce qu'il y avait encore dans les années 80 des familles qui se tenaient très bien. Il y avait aussi des officiers courageux qui montraient l'exemple, qui étaient en short à 6h du matin, par moins 10, moins 15. Non, il y avait toujours encore des hommes. Hein. Voilà. Il y en a toujours, ils sont au Sahel, par exemple. Laurent, je vais donner la parole aux autres. Je vais essayer de garder quand même la main en disant et en vous rappelant que depuis 2018, le Maroc, par exemple, a rétabli le service militaire. C'était mon argument dernier, mais je ne vous laisse pas le temps de me répondre. Oui, je vois bien votre regard. Roland Elie, pardon, pour Synthèse Nationale. Alors, moi, c'est un sujet sur lequel... Et on a aussi le SNU, hein, vous avez vu passer. Comment hein, le SNU, Service National. Oui, tout à fait. Ah, voilà. Alors, c'est un sujet sur lequel je suis un petit peu partagé. Alors, je vais essayer d'en faire la synthèse, si vous voulez.
on partage. Ça tombe bien, c'est votre rôle. C'est mon rôle, oui. Alors, une armée aujourd'hui, c'est une armée professionnelle. Bon, on est tous d'accord. 12 mois qu'on apprend à conduire un char de guerre ou que sais-je, quelle arme qu'on peut manipuler comme ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, je peux comprendre aussi que le service militaire avait une raison. Il avait une raison, je pense, à l'époque où vous l'avez fait, à l'époque où on avait l'âge de le faire. Aujourd'hui, le problème, c'est pas le service militaire, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Savoir quelle est la France d'aujourd'hui par rapport à la France d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Or, le problème aujourd'hui, si c'est apprendre le maniement des armes à des jeunes, puisqu'ils sont tous français, paraît-il, qui peuvent s'en servir volontiers, quand ils s'en serviront volontiers contre nous un jour, est-ce bien utile ? Alors, là, vous ne croyez pas à la force de l'entraînement et finalement de l'assimilation ? Bah oui, mais l'assimilation, à mon avis, ça ne touche qu'une minorité. Voilà, ça ne peut pas toucher. Le SNU ne réussit qu'auprès des convaincus. Ils sont tous convaincus au SNU. Là. Pardon ? Les jeunes là, qui vont aux quelques jours de formation macronienne, si je peux dire, là, complètement bidon. C'est bidon, hein, complètement. Mais ceux qui y vont, c'est des jeunes qui sont convaincus, complètement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il suffit de voir le film qui est passé au début de ces. On posait la question, je faisais de voir la tête des jeunes gens qui étaient là, on voyait bien que c'était. Bon, c'est sur le long terme, c'est des gens. Mais non, ce sont 2000 volontaires, ça va être après 30 000 et on va arriver normalement, selon les souhaits du président de la République, à une population qui n'aura pas été forcément volontaire. Sur ces 2000 volontaires, il y a une majorité qui cherche à entrer soit dans la police, soit dans la gendarmerie. Ça a du sens. Et puis regardez, l'utilité du SNU, c'est détecter l'illettrisme. Alors c'est une propédeutique à la police et à la gendarmerie. Si vous voulez détecter l'illettrisme sur 2000 personnes, il y en a quelques millions d'autres qui restent. Bon, vous allez me dire, il était temps, ils ont 16 ans, il était temps de le voir. Mais faire des tests de santé. À l'école, on peut le faire avant. Faire les tests de santé, passer le code du permis de conduire, apprendre les gestes de premier secours, très bien, civisme. Voilà, ce sont des notions qui devraient vous ravir. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous êtes opposé à ça, pourquoi vous vous moquez de cette réalité-là. Je n'ai pas dit que j'étais opposé, j'ai dit que j'étais partagé. Mais bon, t'as un sens. Mais moi, j'essaie de défaire la synthèse. On ne la défait pas comme ça. Alors, poursuivez. Mais ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout dépend qui le fait et dans quel but on le fait. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, une grande partie de la jeunesse française ou assimilée, enfin, censée s'assimiler à la France, ne se servent pas un jour de ce qu'elle apprendra dans le service militaire, contre nous. Voilà. D'accord. Alors, c'est pour ça que je suis assez prudent. J'ai compris. Chose, je vous rassure. J'ai compris. Je suis assez prudent là-dessus. Maintenant, sur le principe, pourquoi pas ? Ça serait une bonne chose. Il y a des choses qui fonctionnent. Hein, parce qu'en plus, il y a le service civique. Le service civique, ça fonctionne. Le service civique, ça concerne quelques milliers de personnes. Est-ce qu'il est nécessaire. Mais c'est d'accord. Il faudrait que ce soit. Mais moi, je pense que c'est ceux qui en auraient le plus besoin qu'on va laisser tranquille. Là, on prend déjà des volontaires. Donc, c'est comme disait monsieur, ils sont déjà préparés à à cette hypothèse. La promesse présidentielle... Quand tout le monde devait faire son service militaire, c'est ceux qui en avaient le plus besoin, le petit objecteur de conscience, le petit marxiste de service, il était au service militaire. Et ça lui faisait du bien. Gauchiste de Nanterre. Et il avait beau râler pendant un an, il en sortait transformé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il regrette. Et il regrette. Il regrette son service militaire. Et ça lui a aussi donné le sens de la camaraderie. Je vous rappelle la promesse. Lui a aussi appris une chose, que parfois, il était nécessaire de respecter plus con que soi. Ouais. La promesse présidentielle est mise en mars 2017. Toute une génération, soit 800 000 jeunes par an, sera son service militaire d'un mois. Donc voilà, ça c'est la promesse présidentielle. On en est pour l'instant à 2000 et on va en recruter 30 000 possiblement avant l'été prochain, dixit Gabriel Attal. C'est un beau gadget macronien, ça. C'est un très beau gadget macronien, ça. Oui, ma père. Ça affiche en l'air des crédits dont l'armée manque cruellement. La plupart des militaires disent que c'est une très mauvaise idée. C'est drôle que... Ça, c'est même drôle. Pas un service militaire, drôle, c'est un service social. Et ben même si c'était un peu du scoutisme, ce serait pas si mal que ça. Enfin, je vois pas le problème. Je vois pas pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Humaines et financières de l'armée qui... Mais on dirait que vous ne percevez pas du tout le côté social
bénéfique du service militaire ou de cette petite tentative minuscule. Mais si on le fait à 7 heures, c'est pas d'abord la guerre. On ne parle pas de la guerre. Mais tant que c'est sur volontariat, de toute façon, ça ne donne pas de plus-value. Mais ça, c'est le début. Les jeunes qui viennent là sont déjà convaincus, comme je disais tout à l'heure. Le début, le scoutisme, c'est sur le volontariat aussi. Ces jeunes-là. Si ça ne dérange pas monsieur, je dis voilà. Alors, Laurent, excusez-nous, parce que là, Boulevard Voltaire nous demande la parole. Donc tout ça est évidemment se fait de façon un petit peu désordonnée, un peu démagogique, un peu tout ce que vous voulez, mais ça part d'un bon sentiment, et j'aimerais pas être à la place de ceux qui font ça, parce qu'ils sont en train d'essayer de retricoter tout ce que Jacques Chirac avait détricoté. Et à propos de Chirac, je préparais l'émission. Oui, au fait, le service militaire, c'est lui qui l'a... En 1997. Quand on fait la liste, c'est fascinant qu'on fait la liste de ce qu'a fait Jacques Chirac, déjà faire élire Giscard d'Estaing, faire élire Mitterrand. C'est porté à son crédit. C'est lui qui fait passer Maastricht, dissous en 97, c'est lui qui refuse de reconnaître les racines chrétiennes de la France, il nous impose le quinquennat, la guerre du Golfe en 90... Il est mort, hein. Donc, oui, mais il est mort extraordinaire. Non, vous avez Macron là maintenant, allez-y, oui. La foncez. C'est quasiment Saint-Chirac bientôt. Avec moi, il y aura des médailles chiraculeuses. pas mal. Santo subito. Pas mal. Mais porté à son crédit, hein. Je vous le rappelle. Pour des raisons techniques, il fallait amender le service militaire. Bien sûr que oui. Mais il le supprime au plus mauvais moment. Où, effectivement, à cette époque-là, la France est en train de se déliter, mais on peut encore attraper les choses. Il fallait le transformer, mais voilà. Ne pas le supprimer. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord. Une armée, maintenant, c'est une armée de métier. C'est pour ça, on est d'accord. Le côté formateur du service militaire, on l'a rayé de la carte comme ça par un décret, et c'est une catastrophe. Mais c'est pour ça qu'après, c'est facile de dire oui, bon, c'est un gadget Macron. Mais enfin, on peut imaginer que Macron ne fasse pas que des trucs idiotes. C'est comme donner une machine à écrire à un singe, il finira par taper un mot juste un jour ou l'autre. Quoi. Ça peut être la même chose pour Macron aussi. Ah oui, si c'est un mot en 5 lettres... Donc, Macron essaye de rattraper, en gros, toutes les conneries, parce que... Il passe quand même d'ailleurs deux sacrés lascars. Hein. Et comme Sarkozy et Hollande, on a quand même connu des sommets. Et d'ailleurs, au début de son quinquennat, il ressemblait presque à un président. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la popularité posthume de Chirac. Mais il était sur un commande-car, vous avez cru qu'il faisait son service militaire. Oui, non, hein, tout à fait. Il n'était même pas né à l'époque, il avait déjà épousé maman à l'époque. Mais c'est pour ça qu'il y a quasiment une nostalgie Chirac, parce que c'était quand même le représentant un peu de la France d'avance. Il dit très bien Benoît Duterte dans le numéro spécial du Point. Il dit, c'est un quetard fini, mais il est quand même, il reste avec Bernadette. Un peu comme Mitterrand qui n'a pas grimpé que la roche de Solutré, mais on reste quand même dans une conception traditionnelle et bourgeoise du mariage. Et il y a une nostalgie pour ça, c'est là on a quand même le président, un qui épouse un top modèle, qui arrive divorcé, l'autre qui divorce, qui part avec une actrice. Ça, on est loin de la France de Tantivana, si vous... Vous savez ce qu'il devrait faire, Macron, si vraiment il quittait l'univers du baratin pour celui de l'action? Il devrait passer le budget de la défense à 2% du PIB. Ça serait fondamental. Oui. Mais vu que l'Allemagne n'assume aucune de ses responsabilités militaires, parce qu'elle est toujours sous le parapluie militaire américain, c'est quand même la France qui se coltine tout. Oui, mais justement. Et même comme Bendit, son été, elle était inquiété. Elle n'y arrive plus, il faut 2% pour augmenter les crédits. On va laisser dernier mot à chacun. Et puis, bien évidemment, vous pourrez conclure ce débat. Il nous reste quelques minutes. Alors, Martial parlait de ce qui n'existe plus, parce que c'est bien gentil, le service militaire, il a été arrêté. Il faudrait peut-être juste dire pourquoi Jacques Chirac l'a arrêté. Pour des raisons bassement économiques. Oui. Ça coûtait très cher, exactement comme les frontières coûtaient très cher. On a donc décidé, dans l'Union européenne, qu'il n'y avait plus effectivement d'utilité à avoir des frontières intérieures. Et donc, on a supprimé les frontières intérieures, mais dans l'esprit de ceux qui l'ont fait, c'était de mettre des frontières extérieures à l'Europe.
Et tous les États ont bien été d'accord de ne pas mettre de frontières extérieures parce que c'était autant d'économiser. Si Jacques Chirac a supprimé le service militaire, c'est pour des raisons bassement financières. C'était autant d'argent qu'il pouvait se servir pour boucher les trous ailleurs. Et aujourd'hui, dans les velléités macroniennes avec les... Nicolas Gauthier dit qu'il faut laisser... Laisser une chose faite à Macron, peut-être, mais il n'y a pas d'argent. Toutes les structures d'un service national, on ne va pas parler de militaire, il n'y a plus rien de militaire. Alors, même dans les projets de Macron, on ne va jamais leur faire tenir. Oh, les pauvres chéris, les fusils, voyons. Ils pourraient se blesser et surtout faire du mal aux autres. Écoutez, Roland Hélie, il vaut mieux d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de fusil. Macron. Pour le SNU, sur le projet des 30 000 jeunes, ça représente 30 millions d'euros. Si la France n'est pas capable de mettre 30 millions d'euros, il faut mieux que ça. Mais pour faire quoi? Vous avez lu ce qu'ils font dans les trucs du SNU? Vous nous avez envoyé à tous un bel article sur le SNU. Je l'ai lu. Je ne sais pas si les autres l'ont lu. Est-ce que vous l'avez lu, Martial? Vous savez ce qu'ils y font? Je vous l'ai dit, détecter l'électricité. Il y a une chose, vous voyez, à l'armée, il y a une chose qu'on m'a enseignée dans mes cours de latin. La puissance de l'armée romaine, ça c'était basé sur la discipline. Et la première chose que je vois dans les choses du SNU, c'est ce qu'ils font le soir. Des cours où ils peuvent donner libre cours à leurs paroles et dire ce qu'ils pensent des choses. C'est formidable. Oui, mais c'est formidable, la discipline vue sous cet angle-là. Non, mais alors, n'appelons pas ça service militaire. On ne sait pas quoi faire pour service militaire. Ça s'appelle SNU. Mais tout simplement, pourquoi Macron a fait ça? Parce qu'il sait que dans l'esprit des gens, et même nous ici, même quelqu'un comme moi qui trouvait très bien l'abrogation du service militaire, ce que je pensais à l'époque, et je suis revenu sur ce que je pensais, que c'était une bonne chose de se débarrasser de quelque chose qui était devenu obsolète. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est une erreur dramatique. Ça, incontestablement. C'est pour ça que vous ne l'avez pas fait, d'ailleurs. Mais c'est, oui, mais je ne l'ai pas fait. Et je suis heureux de ne pas l'avoir fait à l'époque. Dommage que vous ne l'ayez pas fait. C'est avant-guerre. Mais c'est vrai, parce que je pense qu'il peut servir et que c'est indispensable pour une certaine jeunesse et pas forcément pour toute la jeunesse. C'est là où on serait en différent. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est que ce qu'on essaye par escroquerie imposture de faire passer pour du service militaire et tout sauf du service militaire, c'est du gardiennage pour dire qu'on fait quelque chose. Et Macron, c'est une colonie de vacances. C'est très bien que ça va plaire à tout le monde, cette idée. Ah, nos chers pioupiou vont retrouver le service militaire, comme dit l'abbé dans sa description assez évangélique, c'est normal, du service militaire avec la discipline, on apprend le patriotisme, on apprend le respect au drapeau, on apprend le respect de la patrie et tout ça. Vous croyez que c'est ça qui va être enseigné dans la macroniade va se passer? Juste une chose à savoir, dans les dernières années du service militaire dit obligatoire, il y avait plus de 40% d'exemption. Bien sûr. C'était plus du tout un service militaire obligatoire. Dernier mot, Roland Hélie, Nicolas Gauthier. Je crois qu'avant de rétablir le service militaire, il faudrait peut-être d'abord rétablir la France. Oui. C'est la première chose. Oui. Soit la même chose. On pourrait établir tout ce qu'on veut du moment qu'il n'y a pas la matière à faire marcher les choses, c'est en l'occurrence la nation, service militaire ne servirait pas à grand-chose dans l'état actuel des choses. C'est absolument pas du jour. Voilà. Nicolas Gauthier, un dernier mot. Alors, je vais juste dire une dernière chose. Je vous en prie, faites à l'époque, je rappelle de l'abrogation du service militaire, on avait imaginé, certains milieux nationaux en tout cas avaient imaginé une garde nationale. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'est un modèle suisse. Alors ça, c'était peut-être quelque chose, mais qui était vrai dans la France de 1997. Et aujourd'hui, on est dans la France de 2019. Ça change encore. Nicolas Gauthier, dernier mot? Oui. Non, vous passez la parole. C'est peut-être mon côté optimisme. Effectivement, j'ai bien lu en détail ce que vous aviez envoyé. Parmi ces jeunes gens, tous plus ou moins volontaires, il y avait quand même 40% qui estimaient venir là pour défendre la nation. On peut trouver que c'est peu. Il y a 60% qui n'ont pas songé, mais 40% c'est déjà pas mal, il faut bien commencer par quelque chose. Oui, l'air du temps ça va pas. Voilà, c'est pas bien grave tout ça. Philippe Laguéry. Oui, moi je pense que j'ai entendu. Pour rétablir le service militaire, il faut rétablir la France. Pour rétablir la France, il faudrait rétablir la foi catholique et en particulier cette. Cette
cette vertu que prêchait sans arrêt Madiran, vous direz que je suis un grand lecteur de Madiran, et c'est la piété, le respect des ancêtres, de la nation, et ça, c'est le rôle de l'Église que de prêcher la piété. Alors après, vous relancerez la France et vous relancerez le service militaire, et nous serons victorieux. On ne peut pas prêcher l'abbé de ne pas prêcher Dieu vous entend. Chapelle. Non, c'est pas ma chapelle, c'est l'Église catholique. Bien évidemment, Dieu vous entend. Avec le SNU, ils sont armés jusqu'aux dents, dit Emmanuel Macron, contre le réchauffement climatique, la xénophobie, l'intolérance et la haine. Hop. Face au tank et aux missiles, dit ce jeune qui fait son SNU, on se retrouve snu comme un verre. Voilà. Et puis enfin, au snu, on doit s'inspirer, dit Emmanuel Macron, d'une figure charismatique et guerrière. Vous pensez tout de suite à Greta Thunberg. Voilà, Thunberg. Alors, merci beaucoup de cette émission difficile, animée, mais qui était passionnante avec vous, monsieur l'abbé Laguérie. Merci de vous être prêté à cet exercice. Merci une nouvelle fois et toujours aux donateurs de TV Liberté. Ce n'est pas une rengaine, c'est le cœur central de ce bistrot Liberté. Si nous n'avons pas de donateurs, il n'y a plus de techniciens, il n'y a plus de caméras. Et après, on pourra prêcher dans notre sacristie pour l'un et dans notre cave pour l'autre. Donc, merci aux donateurs de nous permettre de toucher. Et je crois que... Je crois que le chiffre, c'est depuis la rentrée, nous avons touché 1 million de personnes. Voilà, il y a 1 million de personnes qui ont regardé au moins une fois TV Liberté. 1 million de personnes. Bientôt 60. Voilà. Merci à vous tous. La discussion est terminée. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve dans 15 jours. Et là, l'invité sera vraiment totalement différent. Sincèrement, soyez devant votre écran dans 14 jours, ça va aussi... Dépoter. Ça va aussi dépoter, dit l'abbé. Ça va dépoter. Merci à vous.